Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Strike, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode du compte rendu achat du mois de novembre. Donc là on est en début décembre normal puisque le mois vient de se finir, du coup je fais l'épisode maintenant. Enfin ce mois-ci plutôt, j'ai pas mal de choses à vous présenter. Je pensais qu'il allait y avoir moins de choses ce mois-ci, mais en fait finalement il y en a pas mal. Alors, on va commencer à peu près, plus ou moins chronologiquement, je pense que je vais faire ça comme ça. Le début du mois, de novembre bien sûr, il y avait une sorte de bourse aux jouets chez moi, donc j'ai trouvé 2-3 trucs. J'ai trouvé que des jeux vidéo, que des jeux vidéo, non, que des DVD justement. Donc voilà, pas grand chose, mais bon, quelques trucs. J'ai trouvé un Kung Fu Panda 2. Pour 2 euros, il était sous blister, mais j'ai enlevé le blister tout simplement parce que mon frère voulait le regarder. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé un OSS 117 comme neuf pour 1 euro. Donc j'étais plutôt content, surtout que c'est le Kearney d'Espion qui est un très bon. Enfin, pour moi, c'est l'un des meilleurs. Entre lui et le numéro 2, je préfère celui-là, clairement. Donc c'est avec Jean Dujardin pour ceux qui n'auraient pas vu. Et c'est vraiment cool. Mais c'est un film d'humour, hein, pour ceux qui n'auraient pas vu. Ouais. Ensuite, j'ai pris Le Grinch. Donc c'est avec Jim Carrey. C'est une sorte de conte pour Noël. Et c'est plutôt pas mal, même si bon, je suis pas fan incontesté de Jim Carrey. Enfin, de son humour en particulier. Mais des fois c'est pas mal. Il fait certains films pas mal. Voilà. Celui-là en fait partie, c'est pas un mauvais film. Et ensuite, je n'achète jamais de Blu-ray quasiment, mais quand j'ai vu ça, je l'ai pris directement. Donc c'est la trilogie Millennium en Blu-ray pour 5 euros. Donc vraiment pas cher, j'en ai vu aucun pour le moment. On m'a dit que c'était vraiment des bonnes adaptations. Alors là, c'est pas les adaptations américaines, c'est l'adaptation suédoise. Donc voilà, parce qu'il y a eu deux adaptations. Une qui est sortie, enfin ils sont sortis à peu près au même moment, donc c'est l'adaptation des livres, d'ailleurs la même couleur que les livres si vous remarquez, pour ceux qui auraient lu les livres. J'ai lu seulement le premier, donc je sais à quoi m'attendre, je sais que c'est assez dur, donc voilà. Par contre j'en ai vu aucun, je sais pas du tout ce que ça vaut. Voilà. Ensuite, donc il y a eu la Japan Touch, vous le savez, vous en avez parlé, il y a eu la Japan Touch et du coup là-bas on a acheté 2-3 trucs avec Death, donc voilà. Après, on a payé un peu le prix fort, j'ai envie de dire. Donc, pour commencer, on a fait une sorte de roulette, si vous voulez, enfin, de jeu de hasard en fait, et où on pouvait gagner sur le stand plusieurs choses différentes. Et donc, on l'a fait 2 fois, et donc j'ai gagné en premier lieu cela. Donc, c'est un artwork de. Enfin, un art. Un fan art plutôt. De Arya. Et de son loup dans Game of Thrones. Donc franchement, waouh, vachement bien fait. J'essaie de bien cadrer, voilà. Hop. Et ensuite, j'ai gagné une deuxième fois. En fait, j'ai gagné. Death a gagné 2 fois cet artwork d'avant. Du coup, on s'est dit, bon, on va échanger parce que voilà, on n'allait pas avoir deux fois les mêmes choses. Du coup, la deuxième fois, j'ai gagné des cartes postales. Donc une de Death Note. Ensuite, une de Naruto. Et ensuite, des artworks que je ne connais pas. Je ne sais pas du tout de quel manga c'est ou autre chose. Voilà. Hop. Et une cinquième. Hop. Voilà. Sachant qu'elles étaient vendues chacune l'unité 1 euro, normalement, celle-là. Alors que la loterie coûtait 2 euros. Mais pareil pour l'artwork qui coûtait 3 euros. Alors que, du coup. On a payé 2 euros forcément. Et ensuite, j'ai aussi acheté, parce que je la voulais absolument. Bon, je l'ai payé le prix fort. Je sais que sur Internet, on peut trouver un peu moins. Mais voilà. J'ai pris celle-là. Donc, une petite figurine de Daenerys dans Game of Thrones, encore une fois. Donc, comme vous voyez, avec son petit dragon sur l'épaule. Franchement, c'est. Voilà, je sais pas si vous connaissez. Je me souviens plus du nom de la série. Enfin, bref. De la série des figurines, je veux dire. Et je trouve ça vraiment mignon en fait. Ils font ça avec plein de choses, avec des super-héros, avec les tortues ninja, enfin voilà, vraiment plein de trucs, même les Walking Dead et tout. Et je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Salut à tous, c'est Deszeki d'Argenterie, on se retrouve pour ma vidéo
présentation de mes achats du mois de novembre, que je fais donc en parallèle avec Strike, comme vous avez pu le voir. Donc ça sera le combat du pauvre contre du riche, hein. Faut pas se cacher, il a quand même acheté beaucoup plus de trucs que moi, sale riche. Donc maintenant, on va faire mes achats personnels de la Japan, hein, vu qu'il a fait les siens. C'est à mon tour, donc à la Japan, comme il vous a expliqué, on a participé à une sorte de loterie, entre guillemets, où fallait donner, c'était un stand tout simplement, il fallait donner 2 euros, et on tournait une petite roulette, et suivant sur quoi on tombait, on avait des lots qui allaient de 2 euros à bien plus cher. Donc pour ma part, nous avons joué déjà 2 fois chacun, et pour ma part, j'ai gagné 2 fois de suite ce petit fan art. Donc un fan art super joli de Arya dans Game of Thrones, donc, avec son loup géant Ghost, qui est super stylé. D'ailleurs, il a un petit reflet lumineux, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est plutôt pas mal. Donc j'ai gagné 2 fois en fait. Donc j'en ai passé un à Strike, et lui, Strike, m'a donné son autre lot. Donc lui, son autre lot, c'était 2 cartes au choix que j'ai pris. Donc moi, c'est moi qui ai choisi et qui ai pris. Donc j'ai pris cette petite carte de Arya en chibi, qui est super trop mignonne en chibi avec sa petite épée en bois. Et cette carte de Ned Stark également en chibi avec sa grosse épée en pierre, lui. Et il a les yeux fermés parce qu'on sait pourquoi, parce qu'il est mort. Donc ensuite, on enchaîne avec un peu plus gros cette fois-ci. Donc, toujours à la Japan, j'ai acheté ce petit poster. Un petit poster hein, qui doit faire à peu près, je sais pas, à 30 cm sur 60, une connerie comme ça, de Death Note. Hein, donc pour les fans de manga, vous connaissez tous Death Note. Pour ceux qui ne connaissent pas Death Note, ben, c'est un super manga que je conseille à tout le monde. Franchement, si vous connaissez aucun manga, à part Dragon Ball, bien sûr, mais voilà, si vous connaissez aucun manga, vous avez vraiment vu aucun manga. Et ben, c'est le premier manga que je conseille à tout le monde, c'est ce qui m'a donné envie, c'est qui m'a donné goût au manga, c'est le manga qui m'a donné goût au manga, donc je le conseille à tout le monde. Ensuite, pour ça, ouais, c'est du papier très très fin, c'est pas ultra solide. Et ensuite, comme vous l'entendez, ça c'est plastifié, c'est un dessin, un fan art également, de Death the Kid, donc mon pseudo à la base, qui est tiré du manga Soul Eater, donc qui a trop la classe, franchement je le trouve super stylé. C'est un dessin tout en noir et blanc, et donc plastifié pour le protéger. Super, magnifique, de tout beau. On passe encore à l'étape au-dessus. Un poster qui doit faire, je sais pas, 70 sur 1 mètre, je sais pas. Hop là. Donc, qui est un poster de Shingeki no Kyojin, donc un manga super sympa que je lis et que je me mets à regarder en animé. L'animé est super bien foutu également, aussi bien que le livre. Donc c'est également encore un fan art, hein. Ce n'est pas du tout, pas du tout, mais ça ressemble beaucoup au manga au niveau de toute la tenue et tout est inspiré du manga, sauf la tête du héros en fait qui est beaucoup plus stylisée que dans le manga. Dans le manga, le héros a une tête plutôt plus banale, là, on dirait qu'il ressemble à Sasuke d'ailleurs de près, c'est dégueulasse. Il a une tête beaucoup plus banale que ça, là ils l'ont fait beaucoup plus badass, mais je le trouve tellement énorme ce dessin. D'ailleurs à la cam il paraît tout petit, mais en fait il est très très grand. Et je trouve ça génial, je le trouve magnifique. Même si on ne connaissez pas Shingeki no Kyojin, on peut aimer la qualité du dessin. Et enfin mon dernier achat de la Japan, avant que je range toute cette merde. Celui-là doit faire un peu également un mètre sur un peu plus grand même. Qui est un peu plus grand que celui de Shingeki no Kyojin. C'est également un fan art en poster géant de Daenerys, donc Daenerys Targaryen Game of Thrones avec les 3 dragons. Donc là on voit celui du haut, mais si je montre, vous voyez le vert en bas à droite et le, je sais pas quelle couleur l'autre, il est jaune brun à gauche, enfin ma droite et ma gauche. Et donc voilà, il est super belle, elle est super belle. On a l'impression qu'elle a les cheveux un peu marron, mais si on se rapproche, en fait, elle a les cheveux un peu. On a l'impression qu'elle a des cheveux blancs, qu'elle est un peu vieille, qu'elle se fait un peu vieille. Je ne sais pas. Peut-être l'avenir de Game of Thrones, elle va vieillir et mourir avec ses dragons. Donc, dans Easy Cash, près de chez moi, c'est un nouveau Easy Cash qui est sorti il n'y a pas bien longtemps, ils ont énormément de DVD. Et il y a énormément de DVD qui sont en trop, qui sont en plein d'exemplaires et tout ça. C'est pour ça qu'en ce moment, ils les soldent tous à 1€. Enfin, tous non, mais une grande partie à 1€. Donc j'ai trouvé 24 DVD chez eux. Donc 24€, c'est vraiment rien pour des DVD. Donc je vais commencer tout de suite par Pluie d'Enfer. C'est un film de Michael Salomon.
Avec Morgan Freeman par exemple. Donc c'est un bon film, je l'ai vu il y a longtemps, parce que c'est un vieux film, je sais plus en quelle année il est sorti exactement, enfin voilà. Il est sorti en 99, voilà. Donc pour vous dire, c'est un vieux film, enfin il a quand même 15 ans. C'est un bon film, mais je me souviens pas de tout, pas de l'histoire en particulier. Ensuite j'ai trouvé Hitman, l'agent 47. Encore une fois pour 1 euro, bah j'ai bien aimé. Franchement, c'est une bonne adaptation de jeu vidéo pour une fois. Franchement, c'est un bon film à voir. Bon après, c'est pas non plus le film de l'année, hein, loin de là. Il n'y a pas un jeu d'acteur énorme, mais en tout cas, ça bouge bien, ça explose bien de partout et tout. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé Super Grave, que je n'ai encore pas vu, mais j'adore les acteurs qu'il y a dedans. Surtout celui du milieu dont j'ai oublié le nom, honte à moi, voilà. Donc par exemple il a joué dans, pour ceux qui ne sauraient pas, il a joué dans 21 Jump Street et 22 Jump Street plus récemment. Et il paraît que c'est un bon film, enfin un bon film d'humour, donc il faut que je vois ça, je n'ai pas encore eu le temps de le voir. Ensuite j'ai trouvé Instinct Meurtrier avec Samuel Jackson et Ashley Judd, oui voilà c'est ça. Donc il est encore sous blister comme vous voyez. Donc je me suis dit bah tiens je connais pas, pourquoi pas le prendre, ça a l'air pas mal. Donc bah on verra ça, c'est Philippe Kaufman qui l'a fait. Je ne sais pas ce qu'il a fait d'autre. Voilà. Ensuite j'ai trouvé Australia, donc c'est avec Nicole Kidman et Hugh Jackman. C'était pas trop mal, mais c'est pas non plus voilà, génial. Bon après j'ai quand même bien aimé, ça se regarde quoi. Voilà. Est sorti au cinéma il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, ça m'a étonné que voilà. Ensuite, j'ai trouvé Die Hard 4. Alors, ce Die Hard pour moi n'existe pas puisque c'est une pourriture. Voilà, mais pour moi, il n'y a qu'une trilogie Die Hard qui existe et pas une quintilogie ou je sais pas comment on dit. Voilà, bon, après, voilà, c'est du Die Hard. Hein. Bon, il est quand même pas mal, mais il n'est pas terrible par rapport aux trois précédents. Ensuite, j'ai trouvé Charlie et ses drôles de dames. Donc c'est vraiment un truc que j'adore, Charlie et le drôle de dame. Je sais que c'est pas très bien joué, je sais que c'est assez cucu et tout ça, mais je sais pas, il y a un petit charme, je sais pas. Même Cameron Diaz dans ce film-là, je l'aime bien, alors que je l'aime pas forcément. Donc voilà. Ensuite j'ai acheté Arrête-moi si tu peux. Donc c'est avec Leonardo DiCaprio et Tom Hanks. Donc Leonardo DiCaprio qui joue un criminel en fait qui se fait. Enfin, c'est pas vraiment un criminel, on peut pas appeler ça comme ça. Il prend plusieurs personnalités en fait pour gagner de l'argent en fait. Il détourne des fonds avec des faux chèques. Et en fait, Tom Hanks joue le policier qui lui course après. Et enfin, qui le suit. Et franchement, c'est une bonne histoire. Je l'ai vu il y a 2-3 jours. Et franchement, vraiment cool. Vraiment cool, il est à voir. Voilà. Ensuite, j'ai pris Very Bad Trip 1. Bon, bah, si vous avez vécu dans une grotte pendant 3 ans, c'est que voilà, vous connaîtrez pas. Mais sinon, pour les autres, forcément, vous connaîtrez. Voilà, c'est un très bon film. C'est le meilleur, clairement. Le 1 est le meilleur des 3. Ensuite, j'ai pris Le Petit Nicolas, donc qui est sorti il y a, je sais pas, 3 années, je pense. Donc, avec Valérie Le Mercier et Kamérad. Voilà. Donc bon, c'est pas mal, ça se regarde, franchement, c'est un bon film familial, on va dire. Ensuite, j'ai pris Wasabi avec Jean Reno. Donc franchement, un très bon film. J'avais vraiment aimé pour un film français, c'est vraiment bon. Ça remonte à quelques années. C'est Gérard Krawinski, ou je sais pas comment on dit ça. Bon, c'est aussi lui qui a réalisé Taxi 2 et 3. Et c'est aussi produit par Europacorp, donc par Luc Besson. Voilà. Ensuite, j'ai pris un film avec Stallone, Demolition Man. Voilà. C'est. Comment dire? C'est un. Moi, j'ai bien aimé. Enfin, franchement, j'avais bien aimé. C'est loin d'être le film d'année encore une fois, mais c'est pas mal. En plus, c'est produit par celui qui a fait L'Arme Fatale 1, 2 et 3 et 4, je crois. Ouais, c'est ça. Joel Silver, il s'appelle. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris, et ça, j'en suis vraiment très content à ce prix-là, Une Nuit d'Enfer. Donc, Une Nuit d'Enfer, c'est un film de Robert Rodriguez, mais ça a été écrit
par Quentin Tarantino. Quentin Tarantino qui est d'ailleurs sur la boîte puisqu'il joue un rôle dans le jeu, dans le film, pardon. Et c'est avec, comme vous voyez, George Clooney aussi. Et c'est vraiment un bon film. Enfin, un bon film. Ça part totalement en n'importe quoi. Au début, on se dit, ça va être un truc un peu thriller et tout ça. Et puis à la fin, ça part avec des monstres et tout ça. C'est nawak. Mais moi, enfin, franchement, j'ai kiffé. Ça, on retrouve vraiment du Quentin Tarantino dedans et c'est cool. Moi, je suis un grand fan de Tarantino, faut le savoir. Donc voilà, forcément, j'adore. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé Prédiction. Encore une fois, pour 1 €. Prédiction, donc, avec Nicolas Cage. C'est en gros. Un jour, pour raconter un peu l'histoire, un jour sa fille, elle trouve, non son fils plutôt trouve, enfin il déterre d'anciens papiers d'anciens élèves, hein, c'est un peu compliqué à expliquer, et il doit avoir des dessins, en gros c'est pour transmettre à travers le temps, et son fils trouve un coloriage avec que des chiffres dessus. En fait, il s'avère que tous ces chiffres, ça prédit des catastrophes qui se sont passées ou qui se passeront. Et en l'occurrence, il y a une dernière. Enfin, là, je ne vais pas spoiler. Mais en gros, c'est l'extinction du monde. Voilà. Et c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Ensuite, j'ai trouvé Charlie. Les filles lui disent oui. Lui disent merci, pardon. Alors, comment dire? Si vous voulez vous taper des barres entre potes, et ben regardez ce film. Parce que. C'est avec Jessica Alba et Dan Cook. Dan Cook qui est un ancien acteur porno. Voilà, ça résume le film. Ce n'est pas un film de cul, je vous rassure. Mais c'est très penché dessus, donc voilà. Mais c'est vraiment. Enfin, ça se regarde, quoi, c'est cool. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé Pearl Harbor. Donc, Pearl Harbor que j'ai vu il y a longtemps. C'est un bon film. C'est avec Ben Affleck dans sa jeunesse. Donc, en édition collector en plus de DVD, donc c'est cool. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé un film qu'on trouve. Pas souvent, souvent, enfin, c'est la première fois que je le vois. Starship Trooper. Donc, je l'ai vu au cinéma il y a genre 1 an avec ma classe et j'avais kiffé. Enfin, franchement, je trouvais ça cool. C'est le meilleur des quatre, faut le dire. Parce que après, ça devient des bouses monumentales. C'est très mal joué, il faut le savoir. Mais il y a une double lecture du film. Il faut pas juste s'arrêter à la fiction, à la science-fiction que vous voyez. Voilà, donc c'est cool. C'est déconseillé au moins de 16 ans, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, j'ai trouvé Le jour d'après en édition collector. Donc voilà, vous voyez, c'est en holographique un peu. On ne voit pas trop, mais voilà. Donc c'est cool. Le jour d'après, donc, un bon film catastrophe, je trouve. Bon, loin d'être le meilleur, c'est clair. Mais j'avais bien apprécié. Bon, c'est totalement poussé à l'extrême, mais voilà, c'est mieux que 2012, clairement. Pour ceux qui auraient vu 2012 et pas le jour d'après, c'est mieux. Ensuite, j'ai trouvé, et ça j'en suis aussi content. X-Men, l'affrontement final, mais en Steelbooks. Donc, comme vous voyez, hop, je vais l'ouvrir. Hop. Comme vous voyez, donc c'est vraiment une belle boîte. C'est ça que je trouve cool. Faut passer au prix qui est derrière, ils étaient encore à 1 €. Ce que je veux dire, hop. Et franchement, pour ce prix-là, 1 € un Steelbook, c'est vraiment cool. Même si pour moi, X-Men, l'affrontement final, c'est le plus pourri des trois. Voilà. Enfin, c'est que c'est un peu what the fuck la fin, mais voilà. Ensuite. J'ai trouvé Mission to Mars de Brian De Palma. Vraiment un bon film de science-fiction pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Bon, moi après, j'adore aussi les films dans l'espace parce que je trouve ça vraiment joli et tout. Il n'y a pas des plans ahurissants non plus, mais il y a vraiment des belles images sur Mars. Et puis c'est un bon film de science-fiction pour les passionnés de science-fiction ou non. Franchement, c'est un bon film à regarder. Hop. Ensuite, j'ai trouvé Les Experts, donc Crime, Scène et Investigation. Donc, c'est jusqu'au dernier souffle. Donc, c'est non, 2 épisodes. Pourquoi je les ai achetés? Parce qu'ils sont réalisés par Quentin Tarantino. Et que, vu que je suis un grand fan de Tarantino, et ben, je veux voir ce que ça donne, même sur Les Experts. J'ai absolument pas encore regardé. Il paraît que c'est pas mal. Il paraît que ça change un peu. Bon, après, on verra bien ce que Quentin Tarantino peut devenir dans ce genre-là. Je n'ai pas encore regardé. Je vous dirai ça. Ensuite, j'ai trouvé The Eye. Donc, l'œil, en gros. C'est produit par Europacorp, encore une fois. Et c'est un beau film d'horreur, il paraît. Après, c'est pas non plus un film d'horreur qui a marqué les esprits. Mais j'avais vu sur Première que.
qu'il fallait le voir, enfin que c'était un bon film d'horreur pour ceux qui aimaient bien, donc voilà, faut regarder ça. J'ai ensuite trouvé 28 jours plus tard, 28 jours plus tard, qui est un film de Danny Boyle et qui est un excellent survival, enfin ouais, survival si on peut dire ça, horreur en même temps. Donc c'est cool, franchement je voulais vraiment ce film, je ne l'avais pas encore. En plus je l'ai trouvé avec une boîte spéciale, comme vous voyez, hop, et hop. C'est rare de trouver des boîtes comme ça, ils en font très peu, du coup c'est cool parce que ça fait un DVD un peu plus unique, j'ai envie de dire. Et quand on est collectionneur comme moi, et ben c'est ce qu'on cherche. Et ensuite j'ai trouvé Il faut sauver le soldat Ryan, en version collector encore une fois. Donc double DVD, c'est un film qui a reçu 5 Oscars, c'est un excellent film, il y a Matt Damon dedans, il y a Tom Hanks bien sûr, franchement il faut vraiment le voir, moi c'est un film de guerre que j'ai vraiment apprécié, ça change beaucoup, voilà après ça se présente comme ça à l'intérieur, et comme ça, voilà double DVD, avec des bonus et tout ça, c'est vraiment cool, je l'avais déjà, je le possède déjà en version normale. Il y a même une petite histoire là-dedans, hop, ça raconte des moments de la Seconde Guerre, voilà. Et même si je l'avais déjà, je voulais enfin, quand je l'ai vu en collector à 1€, enfin, pourquoi se priver, 1€, ça, c'est pas grave, hein, ça fait rien. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, ok, de toute façon, au pire, je verrai l'autre, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc ça, c'est fait, voilà. Ensuite, j'ai aussi acheté, pareil, dans le cash, des OST, enfin des BO, enfin des, ouais, des BO de films. Alors on en a acheté un, on en avait un offert, du coup bah, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai pris la BO de la bande originale de Pulp Fiction, parce que bon encore une fois je suis un grand fan. Et j'ai pris aussi la bande originale de Stanley Kubrick, donc Full Metal Jacket. Et bah, franchement j'en suis pas déçu puisque j'adore encore plus les musiques de Stanley Kubrick, parce que enfin je sais pas, c'est vraiment un style que waouh, j'adore. Après Tarantino, je sais qu'il souvent, très souvent, pour ceux qui ne le sauraient pas, il fait ses films en écoutant des musiques et ça se comprend parce que quand on écoute la BO, enfin moi qui suis fan de bah, Pulp Fiction, c'est mon film préféré, d'où l'affiche qui est juste là, et ben on comprend parce que enfin ça, tout le film ressort par là, enfin voilà. Donc Strike lui s'occupe du petit écran avec tous ses DVD, moi je vais m'occuper au contraire du très grand écran avec les sorties cinéma de ce mois de novembre que je suis allé voir. La grosse majorité était en même temps que Strike, et la majorité, Strike les a vus aussi, donc je peux vous donner vite fait un avis qu'il aurait eu parce que je sais à peu près ses goûts. Mais voilà, donc on va aller chronologiquement. Le premier film que nous sommes allés voir totalement ensemble, c'est Interstellar. Donc Interstellar de Christopher Nolan. Donc pour ma part, c'était un super bon film. Scénaristiquement, graphiquement, émotionnellement, c'était génial, j'ai adoré. Petit bémol pour la fin que je n'aime pas trop, bien sûr. Comme on le dit toujours, un film qu'on adore ou une série qu'on adore, ce qu'on redoute le plus, c'est la fin, parce que une fois sur deux, la fin nous déçoit. Bah là, elle m'a un peu déçu, c'est vrai. Je parle d'après le labyrinthe, hein. Le coup du labyrinthe, je trouvais ça énorme, c'est du Nolan tout craché, mais après, ça m'a un peu déçu. J'aurais préféré que ça se termine plus vite et d'une autre manière, sans spoil. Et contrairement à Strike, qui lui, bien sûr, est un fan incontesté de Nolan, il a surkiffé, il les trouverait, on va dire, c'est le film de la décennie pour lui, donc peut-être pas, je déconne, mais voilà. Ensuite, on enchaîne avec, donc, qu'est-ce que c'était ensuite? Ensuite, c'était Fury avec Brad Pitt de David Ayer, bien sûr. Ce film était également génial, franchement, l'ambiance, l'univers était super stylé. La fin, là, j'ai adoré la fin, pour une fois, j'ai adoré la fin. Je sais que Pierre a aimé aussi, mais je pourrais pas vous en dire plus sur son avis. Ensuite, Hunger Games 3, première partie, La Révolte, si je dis pas de la merde. Vous voyez que c'est pas la même place parce que celui-là, on est allé le voir au Grand Rex à Paris. Ouais, la classe, mon gars, la classe. Donc, Hunger Games 3, sympathique, divertissant. Personnellement, je n'ai pas lu les livres, donc je ne sais pas du tout si c'est représentatif. Beaucoup de mes amis ont dit que c'était pas représentatif, que les livres étaient 15 fois mieux. Je les crois. Et moi, n'ayant pas lu les livres, je me fais mon avis en tant que spectateur. Donc, sympathique, comme les deux derniers, comme les deux d'avant. Petit bémol, bien sûr, comme tout le monde le dit, enfin, pas tout le monde, mais voilà.
comme moi j'aime le dire et comme Strike est d'accord avec moi, c'est que ça reste trop adolescent. Ils n'ont pas voulu aller trop loin dans la violence, ce que je trouve dommage parce que ça pourrait être extrêmement énorme. Ça pourrait être un truc à la Hunger Games en fait. Ça pourrait être un truc à la Game of Thrones, Hunger Games, pardon. Ça pourrait être un truc énorme avec cher de la violence. Tu vois que c'est cher, que le gouvernement est cher des bâtards, qu'il faut vraiment les défoncer. Mais là, ça reste un peu trop encore pour moi enfantin. Donc sympa, avec quelques scènes très très bateau, des scènes très très cucu, et ça m'énerve. Mais sinon, c'était sympathique à voir. J'ai pas passé une mauvaise séance, c'était plutôt cool. Ensuite, Eden, film avec On s'en fout, de On s'en fout, parce que c'est un gros film de merde. Film français qui parle, enfin pas besoin de spoil d'ailleurs, vu que c'est de la merde, mais déjà on était 5 ou 6 dans la salle, donc c'est pour dire à quel point on était dans la merde, sachant que Pierre et une amie, on était 3, voilà, cordialement. Ça va être déjà la moitié de la salle, rien qu'à nous. Ça raconte pas l'histoire des Daft Punk, mais c'est lié aux Daft Punk, en fait, c'est deux jeunes qui veulent devenir DJ, et en fait ça raconte l'histoire, leur histoire où en fait ils se droguent, ils tombent dans la ils se droguent, ils font des soirées tous les soirs, leur vie c'est de la merde, il y en a qui se suicident et tout, voilà, c'est what the fuck, what the fuck. Donc franchement, pendant 2h30, je me suis fait super chier, j'ai pas du tout aimé ce film, je sais que Strike également ne l'a pas du tout aimé, franchement Eden, c'était, je ne conseille pas du tout, désolé pour le réalisateur, mais je n'ai pas aimé, c'était nul, c'était très très nul, j'oublie cette place. Et enfin, le dernier que je suis allé voir et mon coup de cœur, c'est Astérix et le domaine des dieux d'Alexandre Astier, avec les voix de Florence Foresti, de Elise Moon et d'autres et d'autres. Et franchement, c'était génial. Pour moi, c'est le film, c'est mon coup de cœur de ce mois-ci de novembre, parmi tous ceux que je vous ai cités. Mission Cléopâtre, Astérix Mission de Cléopâtre doit être un de mes films, franchement, préférés, un de mes films français, mon film français comique préféré, je l'adore. Et c'est pour ça que ça me tiraille de dire que celui-là est aussi bien. Parce que c'est vrai, mais ça me tiraille parce que Astérix Mission Cléopâtre, c'est la vie quand même. Mais celui-là, franchement, il est génial. Beaucoup d'humour, beaucoup de références à d'autres films étrangers ou français d'ailleurs. Beaucoup de références très drôles. On reste dans l'univers d'Astérix avec de l'actualisation comme les droits de l'homme, enfin l'esclavage, les droits de l'homme, les droits congés payés et tout. Donc on reste dans le domaine Astérix, donc vieux, mais avec beaucoup de connotations du présent. Et beaucoup d'humour, il y a de l'humour très souvent, il n'y a pas un moment dans le film où on sourit pas en fait. Tout le long du film on sourit, il y a des moments où on s'esclave, mais tout le long du film on sourit et franchement il est énorme, c'est mon petit coup de cœur. Donc voilà. Voilà, voilà. Ensuite, je n'ai pas fini. Ensuite on va passer vite fait aux jeux vidéo. Ce mois-ci, pardon, j'en ai pas beaucoup. Donc on va commencer par la Xbox One. Je n'ai pas acheté, on m'a offert plutôt Call of Duty Advanced Warfare. Voilà, je vous ai fait une vidéo, donc soit qui veulent aller voir ce que j'en pense, bah cliquez ici, voilà. Ensuite j'ai acheté à la sortie Halo de Master Chief Collection, parce que c'était un jeu que j'attendais énormément. Je suis déçu par le multi plutôt, parce que pour le moment les serveurs sont horribles, mais je doute pas que ça va s'améliorer. Par contre, pour le solo, c'est juste génial. Enfin, franchement, les 4 Halo refaits en HD, c'est magnifique. Voilà. Ensuite, j'ai acheté 2 petits jeux. Donc, encore dans le cash, j'ai trouvé un petit Harry Potter et la Coupe de Feu pour seulement 1€. Enfin, 99 centimes exactement. Franchement, c'est un jeu que j'avais déjà sur PS2 quand j'avais la PS2 avant. Bizarrement, c'est un bon jeu Harry Potter. Parce que les jeux Harry Potter, on le sait, c'est pas non plus des super jeux. Il y a bien le numéro 1, la Coupe de Feu sur PS1, qui est pas mal. Celui-là est vraiment pas mal. Le problème, c'est que ça se découpe pas en tout. Enfin, comment dire, c'est pas une histoire, c'est plein de petites missions. Ça qui est dommage, mais franchement, moi j'avais bien apprécié. Pourquoi pas vous faire un RLS dessus? Voilà. Et ensuite, j'ai acheté, et ça, vous le savez, puisque je vais commencer un let's play, enfin non, j'ai commencé un let's play pour vous, mais moi je vais l'enregistrer juste après cette vidéo. Donc c'est Resident Evil 4 sur GameCube, que j'ai trouvé pour seulement 5€. Voilà, 5€ et la boîte est parfaite. Il y a les deux CD, hop, donc 5€ pour ça, alors qu'il est coté à peu près 20€ sur Internet. C'est cool, franchement c'est cool. Voilà, et ensuite je finis avec le dernier jeu, il s'agit de Pokémon version Saphir, Saphir Alpha, voilà, en édition limitée. Pourquoi édition limitée? Parce que, hop, je vais essayer de
de sortir vite. Hop. Il y a bon, déjà le jeu normal. Enfin voilà. Hop, la boîte traditionnelle et la version Steelbooks. Donc attendez, hop. La version Steelbooks, hop, comme ça, comme ça. Hop. Et à l'intérieur, ça se dispose comme ça. On voit même Groudon et qui est là. Donc voilà, c'est cool. Franchement, pourquoi j'ai pris Saphir? Parce que bah, quand j'étais petit, j'avais. Vous savez que c'est un remake de la Game Boy Advance. J'avais Saphir et je me suis dit bah, pourquoi pas continuer dans le. Enfin, Kyogre, je le trouve tellement plus badass que Groudon que voilà, je me suis dit que c'était mieux. Donc pour mes jeux vidéo à moi, on va commencer tout d'abord par les dématérialisés comme vous voyez derrière. D'ailleurs, vous voyez que dalle, ça fait un gros lot bleu qu'on voit que dalle, mais c'est pas grave. Donc des jeux déma, j'en ai acheté 5 cette semaine, ce mois pardon, et 3 matérialisés, donc on va commencer par les dématérialisés. Donc tout d'abord récemment j'ai acheté Devil May Cry, le tout dernier sorti qui parle de l'enfance de Dante. Franchement, si vous êtes fan de la série Devil May Cry, je vous le conseille. Pour l'instant j'ai que 4 heures de jeu, mais il est super dynamique. Les armes, je suis pas trop fan par rapport aux anciens Devil May Cry, mais bon, ça reste du Devil May Cry, donc c'est ultra dynamique. L'histoire a l'air pas mal, hein. Je suis qu'à 4 heures de jeu encore une fois, mais donc ça a l'air pas mal. Ensuite, j'ai Darksiders 2. Alors Darksiders 2, qui est une super surprise, je connaissais pas du tout les Darksiders, je commence direct avec le 2. On m'a expliqué l'histoire du 1. Et ben franchement, c'est un RPG, un feu fait en dessin, et c'est magnifique, franchement j'adore, j'adhère direct. C'est un univers un peu métal à la Brutale Légende, mais en mieux, en... si je dis mieux, je vais peut-être me faire des ennemis, mais en différent, voilà. Donc... franchement, Darksiders 2, le coup de cœur de mes jeux, je pense, ouais, tout à fait. Ensuite, Halo Reach. Halo Reach, bon, Halo, hein, rien à dire, hein, Halo c'est la base, même si le solo c'est de la merde. Halo c'est la base, en multi je fais des massacres, vous avez bien vu dans mon gameplay. Tomb Raider Anniversary, qui est donc un remake de tout premier Tomb Raider du nom. Donc en l'achetant, je savais très bien que c'était à quoi j'allais jouer. Donc normalement, Tomb premier Tomb Raider du nom, avec des meilleurs graphismes. Pourquoi dire non, hein, c'est bien un gène, j'approuve. Et Sonic the Hedgehog qui ne s'affiche pas, je ne comprends pas. Donc Sonic the Hedgehog sur Mega Drive. On vous a fait un RS dessus d'ailleurs. Donc voilà, on vous a fait un RS dessus, donc vous savez très bien que c'est un jeu de mon enfance. Donc quand j'ai vu qu'il était sur console, je l'ai acheté direct. Juste pour le kiff de rejouer à ce jeu, franchement, vu que je n'ai plus le Mega Drive. Ce qui est complètement con de ma part. D'ailleurs, je devrais en racheter une. Mais voilà, donc Sonic the Hedgehog qui est un super bon jeu aussi, je le conseille à tout le monde. Même si vous êtes encore jeune, découvrez ce jeu. Vu que vous pouvez l'avoir sur votre 3.6, vous n'avez pas besoin d'acheter une Mega Drive, une console que, si vous êtes jeune, quand je vous dis Mega Drive, vous dites what the fuck, de quoi il me parle. Donc ensuite, mes achats, vraiment achats, je veux dire en matériel. Donc j'ai acheté Darkness, que je n'ai pas du tout commencé, que je ne sais pas du tout de quoi ça parle. C'est juste Darkness, ça donne envie comme titre, ça a l'air cool, c'est dark, c'est les ténèbres. Et c'est un jeu touquet, donc ce qui promet d'être un bon jeu. Normalement les jeux touquet sont de très bons jeux. Donc j'ai confiance. Killer is Dead, que j'ai commencé à jouer quelques heures. Et franchement, c'est un super bon jeu avec un univers extrêmement bizarre, extrêmement Japon. Mais vu que je suis fan de culture japonaise, et ben moi ça me convient très bien. Je trouve ça énorme comme jeu. Franchement, il faut vraiment s'attacher à l'univers. Parce que comme je vous le dis encore une fois, c'est très 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 bizarre. Mais moi, j'adore ce qui est bizarre parce que j'adore le Japon. Voilà. Et ensuite, j'ai acheté Devil May Cry HD Collection, donc les trois premiers Devil May Cry, Devil May Cry 1, 2, 3, en remasterisé HD. Donc Devil May Cry, je sais très bien en sachant à quoi je m'attendais, hein, parce que je connais cette licence. Donc Devil May Cry, de très très bons jeux, si vous Capcom, si vous kiffez le Capcom, vous kiffez Devil May Cry, voilà tout simplement. Et je vous montre celui-là, qui n'est pas un achat de ce mois-ci, hein, ça fait très très longtemps que je l'ai celui-là, mais je vous le montre pour vous montrer qu'en fait, maintenant, j'ai les 4, et même le 5e sur console. Donc, ce qui fait que j'ai tous les Devil May Cry, donc si un jour m'en vient l'envie, je pourrais peut-être vous faire un marathon Devil May Cry. Et un marathon Devil May Cry, ça serait stylé. Ça serait long, mais ça serait stylé. C'est censé être mes cadeaux de Noël, je tiens à le dire, mais voilà. C'est simple, je vais à Carrefour il y a genre une semaine. Ça dépend pour vous, mais en gros, c'était quand il y avait le Black Friday. Qui d'ailleurs a été en France, j'ai pas compris ça, mais c'est pas grave, tant mieux, hein, j'ai envie de dire. Et donc du coup, RTL, ils font des packs de cinéma, enfin des packs, voilà, des trilogies, tout ça, parce qu'ils sont partenariés avec beaucoup de films, si vous savez pas. Et en l'occurrence, chez Carrefour, ce jour-là, il y avait 50% sur tous les packs RTL, tous, hein, vraiment tous.
Et donc du coup, je me suis fait plaisir. Pour Noël, je voulais Game of Thrones, la trilogie, avec une putain de boîte, chère badass, en or et tout ça. Vraiment classe. Bon, à l'intérieur, il y a juste les 3 saisons, hein, voilà. Et je le voulais absolument. Donc, je l'ai acheté. Et vous savez combien ? Il coûtait 60 euros. Et vous enlevez 50% à ça. Cela fait 30 euros. 30 euros alors que c'est à peu près le prix d'une seule saison en magasin. Ce qui vraiment fait très plaisir. Ensuite, j'ai acheté, encore une fois, pour 60 euros, enfin 60 euros divisé par 2, 30 euros, la Clint Eastwood, donc une version Clint Eastwood qui se présente comme ça, hop. Donc là, vous ne voyez rien normal puisque c'est là, hop. Et ensuite, c'est une sorte de livret, comme ça, hop. Je vais essayer de... la galère pour tourner les pages, hop. Voilà, donc il y a chacun des films, ça va de Bird, donc qui est sorti en 88, à Une Nouvelle Chance qui est sorti l'année dernière. Donc voilà, c'est pas tous ces films, loin de là, mais c'est une bonne partie de ces très bons films. Voilà, il y a Sur la route de Madison, il y a Grand Torino, il y a G. Edgar, il y a Mystic River. Voilà, enfin c'est vraiment des bons films. Je suis vraiment content pour 30 euros, c'est vraiment pas cher, surtout que vous voyez que l'édition elle est un peu spéciale puisque bah, elle est jolie. Et ensuite, j'ai trouvé, et alors là je suis encore plus content, je la voulais absolument, j'avais commandé ça à mes parents, et là, quand je la vois, je fais oh mon dieu, j'ai acheté ça, voilà, l'intégrale des Tim Burton. Elle coûte 120 euros en magasin, ce qui était le prix affiché. Vous enlevez 50%, vous la payez 60. 60 euros pour l'édition. Tous les DVD de Tim Burton. Je suis un grand fan de Tim Burton, ce qui tombe bien. Je vais vous montrer ça après. Hop, il y a déjà un petit manuel sur chacun des films. Donc voilà, Mission to Mars. Oui, voilà. Batman le défi. Voilà. Beetlejuice, etc. Donc vous verrez pas beaucoup, mais voilà, c'est plein de petites anecdotes. J'ai lu ça, c'est vraiment sympa. Et ensuite, bien sûr, vous avez comme ça, ça se présente comme ça, c'est orange. Hop, je vais essayer de... Hop, donc ça s'ouvre comme ça. Au début, en plus, on a un truc super sympa, c'est hop. Vous voyez, c'est mon 3D, c'est génial, je trouve ça super joli. Hop, ensuite, ça commence. On a chaque film. Voilà, vraiment tous, quoi. Hop, hop. Enfin voilà, franchement c'est vraiment super sympa et ça va jusqu'à Frankenweenie qui est sorti seulement bah, l'année dernière aussi, donc c'est vraiment cool. Voilà, hop, là je me demandais pourquoi il y avait un espace, mais j'ai compris puisqu'en fait ils ont fait l'édition double pour tous, donc voilà, enfin il y a une double truc mais il n'y a qu'un seul DVD forcément, donc voilà. Et franchement bah, pour ce prix là c'est un excellent prix, il faut le savoir, surtout bah, qu'elle est neuve, hein, elle était sous blister. Les 3 d'ailleurs étaient neufs, hein, sous blister, hein, c'est vraiment pas de l'occasion, c'est vraiment du neuf, et c'est vraiment cool. Donc voilà, j'en ai fini. Après j'ai acheté aussi des posters, mais le truc c'est que je les ai pas mis, donc en fait je les ai pas ouverts. Tout simplement j'ai acheté un poster de Game of Thrones, j'ai acheté un poster du Hobbit, voilà, et j'ai acheté un poster de Breaking Bad. Mais bah, au pire, on pourra peut-être les voir dans une prochaine vidéo. Enfin, la prochaine vidéo que je ferai, peut-être qu'il y en aura un qui sera affiché derrière moi. Je sais pas où, mais voilà. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo aura plu. Moi, pour ma part, bah, ça va être le bordel à ranger, voilà. J'espère que... Ah oui, aussi, je voulais dire, vous aurez noté que cela est bien plus rangé. Tout est rangé par ordre alphabétique. Et surtout, il y a une troisième putain d'étagère qui est déjà pleine, bordel. Je vais déjà devoir mettre une putain de quatrième. Je sais pas où je vais faire, enfin je sais pas comment je vais faire. J'ai compté combien de DVD je suis et ça fait peur. Avec cela, j'en suis à peu près à 700. Donc ce qui commence à faire beaucoup. Mais bon, voilà, après c'est la passion, hein, comme je dis. Donc voilà. Je vais peut-être mettre une étagère juste là, mais vous voyez pas. Je sais pas encore comment je vais faire. Enfin bref. Sur ce, je vous retrouve pour une prochaine vidéo sûrement sur Resident Evil ou sur quelque chose d'autre. Et voilà, c'était Strike, allez, salut! Strike, lui, a des collecteurs de DVD qui est son PC mignon. Bon, moi aussi, j'aurais aimé, ça serait mon PC mignon si j'avais le sou. Mais voilà, un collecteur DVD, ça coûte bien cher. Donc moi, mon PC mignon à moi, c'est les t-shirts. J'adore avoir des t-shirts
qui envoie un message, pas des t-shirts tout sobres. Donc voilà, et mes deux t-shirts que j'ai achetés ce mois-ci sont, d'abord, on va commencer par celui que j'ai sur moi. Hop, hashtag ça pue, voilà. Je sais pas si vous avez vu, mais en gros, c'est Sauron, qui est une parodie de l'affiche de l'oncle Sam, la parodie américaine avec I want you in the US Army. Et ben là, c'est I want you for the Mordor's Army. Et mon autre t-shirt de ce mois-ci, que j'affectionne tout particulièrement parce que je le trouve tout simplement génial, bon, ils sont tous géniaux, mes t-shirts, pas normal, c'est celui-là. Donc, un t-shirt Tim Burton fit les Beatles. Tim Burton fit les Beatles, donc c'est, ça vient de Road des Beatles, hein, tout le monde connaît, c'est la célèbre affiche où il marche sur le passage piéton. Mais c'est un featuring avec Tim Burton, donc vous pouvez voir de. Je vais pas dire droite à gauche parce qu'on n'est pas dans le même sens, mais. Putain, c'est chaud quand même. En partant de droite, donc, monsieur Jack, Tim Burton, on l'oublie, hein. J'ai pas choisi les personnages qu'il y a dessus, hein, mais voilà, monsieur Jack, bof. Mars Attack, Edward dans Main d'Argent, et Beetlejuice. Donc voilà, super stylé, j'adore ce t-shirt. Donc voilà. Strike a des collecteurs à 30-60 euros, moi j'ai des t-shirts à 10 euros, voilà, hein. C'est la différence de niveau social, hein. Je suis désolé. Et ben moi, mes posters, ils sont ouverts d'ailleurs, ils sont censés être affichés là-haut, mais je les ai détachés, donc pour vous les montrer. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec, déjà, un truc qui a rien à voir, on va éteindre la télé. Voilà, donc un truc qui a rien à voir, c'est, maintenant je vais vous parler un peu de notre voyage à Paris qui était génial, on s'est marré et tout, c'était cool, c'était pamplemousse et tout. Donc nos achats de Paris, ce sont principalement, enfin ce sont quasiment que les posters. Les trois posters que Strike vous a, entre guillemets, montré. Moi, je vais vous montrer vraiment les miens, parce que les miens, je les ai ouverts, ils étaient affichés à mon mur. Et avant, je vais vous montrer ceci, qu'on s'en fout, c'est juste pour montrer mes achats de Paris. Ceci, un petit livre, 26 euros, sur montage vidéo sur Premiere Pro. Donc, ce qui est tout simplement un livre tutoriel sur Premiere Pro de A à Z, avec la plus grosse base, comme mettre deux plans l'un côté de l'autre, jusqu'au petit clic, au petit détail qui fait que votre montage sera bien. Donc on l'a acheté tous les deux, d'ailleurs Strike l'a également. Donc 26 euros, c'est vrai que c'est un investissement, mais quand on veut être monteur comme nous, c'est bien d'avoir des références. Donc quand on parlera d'un montage, on pourra dire, donner comme référence ce bouquin de cette dame. On s'en fout, mais voilà, fait par cette dame. Low to you. Donc voilà, et maintenant je vais passer à ce qui vous intéresse le plus, bien sûr, parce que ça vous en battez les couilles. Non, j'ai quand même, je lance pas vu le prix qui coûte. Poster. Donc poster, d'ailleurs je vais commencer par vous montrer le premier, celui-là, poster Game of Thrones. Poster Game of Thrones, le même que Strike a acheté, il vous l'a pas montré, mais celui Game of Thrones que Strike a, c'est le même, on a pris le même parce qu'il est trop stylé. Donc voilà, Game of Thrones avec la représentation des 7 familles, donc voilà, stylé, la classe, Game of Thrones, si vous connaissez pas, bah regardez, franchement c'est une super bonne série. Donc, Game of Thrones. Ensuite, autre poster, Batman, enfin le Joker. Avec une partie Joker et une partie un peu chauve-souris, on distingue pas Batman, mais voilà, c'est Joker versus Batman, on va comprendre. Qui est tiré donc du jeu Arkham Origin. Franchement, il est super stylé, donc voilà, les jeux Batman, des super bons jeux, normal à la base. Des jeux, voilà, jeux de baston, super stylé. Donc voilà, Batman, il est beau ce Joker. Et il est juste à côté de mon lit quand je dors, bon, quand je me réveille la nuit, et ben je fais des sursauts dans mon lit et ça me réveille plus vite le matin. Et donc mon dernier poster qui est donc. Walking Dead avec Daryl dessus, avec où il surveille donc les meufs, hop, et quelques meufs de la chaîne, hop, qui fait moins, voilà, Who Will Survive Terminus, en rapport donc avec la saison 4, donc Walking Dead, encore une super série si vous ne connaissez pas. Donc voilà, mes petits posters, 14 euros les 3 quand même, donc c'est plutôt sympa pour la taille qu'ils font, ils sont pas mal grands, ils doivent faire 1 mètre sur... sur 70 cm comme tout le reste, en fait depuis tout à l'heure je dis cette taille alors qu'ils sont tous une taille différente en vrai. Donc, mais c'est environ moi. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo achat du mois de novembre vous aura plu. Je remercie Strike pour son côté, moi voilà, c'est un bon côté, donc vous avez vu la comparaison de nos achats respectifs. Je vous dis à la prochaine, salut tout le monde, ciao ciao.